C'est la fin de TikTok dans le monde. Si t'as pas vu passer l'info, faut que je te la partage dès maintenant. Aux États-Unis, la Chambre des représentants adopte le texte qui menace le réseau social d'interdiction. Ça s'est passé le 13 mars. Et ce qui s'est passé, c'est que la Chambre, qui est l'équivalent des députés de notre Assemblée nationale, ont voté à 352 voix sur 432 élus l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Leur raison, c'est quoi? C'est qu'ils visent à résoudre des questions légitimes de sécurité nationale et de protection des données liées au rapport du Parti communiste chinois avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, la guerre froide a repris depuis longtemps entre les États-Unis, l'Occident et la Russie, et bien sûr la guerre aussi industrielle entre la Chine et les États-Unis. Et là, c'est un coup de maître, et c'est juste extraordinaire, c'est qu'ils prétextent des risques de sécurité nationale en disant que aux États-Unis, il y a 170 millions d'utilisateurs de TikTok. 170 millions. Et leur prétexte, c'est aujourd'hui, la Chine nous contrôle et peut rentrer dans les téléphones des Américains et influencer les Américains grâce à ce réseau social. Donc, ils obligent les Chinois, et du moins TikTok, à être vendus, parce que s'ils ne le vendent pas, ils ne pourront plus être sur le marché américain. Interdit sur l'Apple Store et sur le Google Store. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ça va être interdit aux États-Unis, bien sûr, il y aura un lobby qui sera fait pour que ce soit interdit en Europe ou ailleurs, pour pousser la firme à être vendue. Bien sûr, qui est en pole position pour acheter TikTok? Les entreprises américaines. C'est-à-dire que quand la firme n'est pas créée directement aux États-Unis comme Facebook, comme Meta et le reste, eh ben on va mettre de la pression pour racheter un concurrent direct. Et cette pression, elle va pas être faite par une entreprise, elle va être directement faite par un État, en prétextant des raisons de sécurité nationale. Pourquoi je fais une vidéo sur ce sujet? Parce que moi, je suis le premier à combattre les réseaux sociaux. Quand je dis combattre les réseaux sociaux, je suis le premier à dire qu'il faut pas aller sur les réseaux sociaux, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'attention, et forcément, quand on est sur les réseaux sociaux, ben, on est loin des livres, on est loin de l'apprentissage. Il y a des choses, on peut apprendre des choses sur les réseaux sociaux, bien sûr, il y a des comptes intéressants, donc quitte à y être, vaut mieux être abonné à Mohamed Boclé ou être abonné à d'autres comptes intéressants que regarder des personnes en train de faire tout n'importe quoi. Ça, c'est tout simplement mon point de vue. Mais là, ce qui est fou, et pourquoi je voulais faire une vidéo sur ça, c'est que je me dis que quand même, on a une entreprise chinoise qui a créé un réseau social, qui a 1,2 milliard d'utilisateurs, et que, comme ça, on fait un lobby pour interdire ce réseau. Pour, en vrai, pas l'interdire, tout simplement le racheter. Et ça, c'est la prise de conscience qu'on doit avoir de manière générale. Parce que, d'un côté, qu'il soit détenu par les Américains ou par les Chinois, c'est la même chose. Facebook, aujourd'hui, Meta, a le monopole, et aujourd'hui, Meta ne pourrait pas racheter TikTok. Parce qu'ils ont déjà Facebook, Instagram, ils ont déjà WhatsApp, donc ils ont déjà un monopole, trop d'entreprises similaires. Donc les entreprises qui se sont mis en pole position, on a Microsoft qui a demandé, OpenAI, alors je sais pas si ça va passer ou pas, il y a Donald Trump qui veut se présenter, qui se présente aux élections et qui dit, ben moi de mon point de vue, on va le laisser. C'est ce qu'il dit aujourd'hui, on verra ce qu'il dira demain. De toute façon, la loi, elle est passée. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me dis que quand même, c'est important pour tous d'apprendre, de lire et surtout d'éveiller son niveau de conscience. De lire de manière générale, un peu partout et de s'instruire. Alors, moi je vous le dis, je préfère aujourd'hui l'interdiction de manière unanime partout des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou autre. Vaut mieux couper ces réseaux et être dans la lecture, dans l'apprentissage, dans la découverte de nouvelles choses ou tout simplement reprendre des repas en famille. Aujourd'hui, même en famille, on reste plus en famille parce qu'on est sur nos téléphones. On va au restaurant, on est sur notre téléphone. Si c'était moi, j'interdirais les réseaux sociaux à l'école. Je vais me dire, mais oui, mais c'est déjà interdit les téléphones. Non, non. Voilà, vraiment, avec des systèmes pour bloquer certaines applications dans les écoles. Parce que c'est ça qui fait que, au lieu d'être en train de travailler, au lieu d'être concentré, on est sur nos réseaux sociaux. Ça, c'est mon point de vue.
qu'on le partage ou non. Moi, j'aimerais bien connaître ton point de vue sur la situation, sur ça, sur les réseaux sociaux, sur l'impact des réseaux sociaux sur toi ou tes proches. Qu'est-ce que TikTok dit ? TikTok nie catégoriquement tout lien avec le gouvernement chinois et a restructuré l'entreprise de manière que les données des utilisateurs américains restent dans le pays. Le président directeur général PDG de TikTok se trouve à Washington où il tente d'obtenir des soutiens pour bloquer le projet de loi. Ce qui se passe, c'est que les données restent aux États-Unis. Elles sont protégées. Après, c'est le dire du PDG. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, ma théorie, c'est tout simplement que les États-Unis ont envie de rapatrier ce réseau au niveau des États-Unis, que les États-Unis puissent gérer TikTok et avoir le monopole sur toute la notion des réseaux sociaux, les grands, parce que Microsoft a déjà LinkedIn, il pourrait rajouter TikTok à l'intérieur. Meta a déjà Facebook, Instagram et d'autres réseaux comme WhatsApp, et ils ont le monopole sur ce qu'on a droit ou pas droit de regarder, entre guillemets. C'est un point de vue, à vous de faire le vôtre et à vous de faire vos recherches sur le sujet. Donc là, c'est sur le site de l'Express. Dans plusieurs pays comme l'Inde, ont interdit TikTok. Donc dans le monde, plusieurs pays ont banni TikTok ces dernières années. En juin 2020, cette application, ainsi que des dizaines d'autres également chinoises, a ainsi été interdite en Inde. Ce qui se passe, c'est que on arrive dans un monde où, dès qu'on a une tension entre deux pays, on va interdire des produits venant d'ailleurs. Donc, ça, c'est depuis la nuit des temps. On interdit les échanges, on arrête les exportations. Mais là, comme on est sur du numérique, on est sur des applications, on va interdire tout simplement l'accès à ces applications. Moi, ça me pose une question sur le droit à l'information, le droit à être informé. Aujourd'hui, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, au début de la guerre, on pouvait avoir le point de vue russe et d'un coup, on nous a interdit d'avoir le point de vue russe. Aujourd'hui, on n'a que le point de vue occidental. On ne sait pas ce qu'eux disent parce que c'est plus diffusé. Donc, on ne peut pas se faire notre propre avis. Moi, je ne suis pas pour ou contre. Pas dire c'est bien, c'est pas bien. Je veux juste dire que pourquoi on n'a plus le droit à cette information? Pourquoi on n'a plus le droit de savoir ce qui se passe de l'autre côté et de se faire notre propre point de vue? J'ai l'impression qu'on arrive de plus en plus dans ce lobby de la pensée unique. On doit tous penser de la même manière. Moi, j'ai envie de vous dire non. On doit tous penser différemment. On a tous le droit de penser différemment. Par quoi? Par le fait de lire, d'avoir l'information. Moi, j'ai été étonné. C'est passé... comme ça, du jour au lendemain, on nous a dit, ben, c'est bon, les télés russes, l'information, ce qui se passe, le point de vue russe, on ne l'aura plus en Occident. Ou du moins, on ne l'aura plus en France. Moi, ça m'étonne. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'eux disent. Parce que c'est le fait d'avoir leur point de vue, le point de vue ukrainien et les différents points de vue qui nous permettent de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on est pour ou contre? Et donc, c'est à nous de continuer à s'informer. C'est à nous de continuer à lire, d'apprendre, de chercher les informations pour avoir sa propre opinion. Et à nous de choisir l'opinion qu'on a envie. Mais ça va passer par quoi? Par l'information. Donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, l'interdiction de TikTok, je vous le dis, cette vidéo elle est sur YouTube. On la remettra et je vous la remettrai dans 2, 3, 4 ans quand TikTok sera complètement interdit ou entièrement racheté. Parce qu'aujourd'hui, ça a déjà été interdit en Inde en 2020. Aujourd'hui, c'est interdit aux États-Unis prochainement. Après les États-Unis, c'est l'Occident qui va suivre, forcément. Une fois que ce sera interdit là-bas, si ce n'est pas encore racheté, ce sera interdit partout. Et donc, ce sera la mort des petits créateurs de contenu. Tous ceux qui créaient des contenus et qui étaient créateurs de contenu sur cette plateforme ne pourront plus vivre de cette plateforme. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis assez curieux. J'aimerais bien connaître votre point de vue. Nous sommes tous illimités.